Allez, une petite vidéo comme promis sur le pied presseur de l'ovation. Pour régler la pression du pied, nous allons nous aider de ce cadran. Donc là, nous voyons qu'il est en position normale. Donc en position normale, donc là, j'ai un tissu avec un surjet au milieu. Donc je vais essayer en point de recouvrement de passer au-dessus. Donc je lève le pied, je le mets. Je replace bien mon surjet. Donc on peut voir ici qu'au niveau du surjet, avec la pression normale, l'ovation a une petite difficulté à passer. Donc pour cela, je vais mettre la pression du pied ici au maximum. Donc là, je remets bien. La différence à droite avec la pression normale, à gauche avec la pression au maximum.